Bienvenue à nos chers collaborateurs, bienvenue à Madame Louwagie et merci à tous ceux qui ont œuvré sur ce rapport qui forcément nous interpelle. Je vous prie d'excuser d'abord le président Richard Ferrand qui ne peut pas être présent parmi nous ce matin, voilà, et qui m'a demandé de le suppléer, c'est pourquoi voilà, j'ai pris la casquette de la présidence ce matin. Donc aujourd'hui, nous prenons le temps et la mesure du rapport que vous avez porté, Monsieur Maire et Monsieur Bernalicis, sur la lutte contre la délinquance financière. Pas un sujet facile, mais j'espère qu'avec toute la pédagogie qui vous habite, vous allez savoir nous le partager pour qu'on soit plus armés sur ce que peut être cette lutte. Et je me permets de rappeler que cette décision de réaliser l'évaluation a émané du groupe de la France Insoumise. Voilà, donc c'est une politique publique qui a fait l'objet de plusieurs réformes importantes ces années dernières. Et il paraissait tout à fait pertinent et même important que le comité s'en saisisse afin d'évaluer les résultats de cette politique. Donc je ne vous représente pas parce que je les ai déjà nommés, nos deux rapporteurs. Voilà, et je leur passe la parole pour qu'ils nous puissent nous partager les fruits de leurs travaux. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je vais me charger d'introduire et de présenter un certain nombre de diapositives que nous avons prévues pour vous présenter ce rapport. Évidemment, on ne pourra pas tendre à l'exhaustivité des plus de 190 pages que contient le rapport, mais on va essayer de vous mettre en avant les éléments les plus saillants. Et mon collègue Jacques Maire se chargera de conclure notre présentation. D'abord, expliciter pourquoi la France Insoumise a demandé ce sujet, parce qu'au fond, c'est ça le point de départ de notre réflexion, était de se dire qu'on parle énormément de délinquance financière, notamment par le biais de la fraude fiscale, mais pas que, c'est pas le seul élément qui compose la délinquance financière. Et pour mon groupe parlementaire, on avait le sentiment que quand même, on n'y mettait pas forcément les moyens à la hauteur des enjeux. Et puis de se dire un deuxième aspect, c'est que finalement, la plupart des grosses affaires médiatiques en termes de délinquance financière, ne venaient pas du fait de l'action des pouvoirs publics, mais souvent le fait de journalistes d'investigation eux-mêmes. Avec cette énigme, mais enfin, pourquoi c'est toujours les journalistes qui font sortir les affaires et puis, troisième point, qu'a pu aussi apporter Jacques dans le rapport au moment où on s'est lancé, c'est de dire, certes, il y a le haut de la délinquance financière, mais il y a aussi tout le reste de la délinquance, de la petite et moyenne, ce qu'on appelle la petite et moyenne délinquance, de celui qui se fait ponctionner 5-10 euros tous les mois sur sa carte bleue et qui s'en rend compte 4 mois plus tard, etc., etc., la petite escroquerie en ligne, qui rentre aussi dans ce spectre plus large et que souvent on oublie de citer en étant happé par ce qui est le plus gros morceau du gâteau, enfin en tout cas sur les montants. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer de voir complètement le sujet. Donc on a pu conduire un certain nombre d'auditions, à la fois dans les investigations dont je vous ai parlé, à la fois des ONG, des associations qui participent à cette lutte contre la délinquance financière, pour lancer souvent des alertes, et puis évidemment tous les services de l'État qui concourent à cette lutte et les organismes prudentiels. On a pu aussi auditionner des organismes privés qui sont soumis à un certain nombre de réglementations aujourd'hui, notamment la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et comment eux s'organisent en interne. Donc on va vous présenter tout ça. Pour finir cette courte introduction, avant de laisser la parole à Jacques, il est clair que quand on a fait le point sur ce sujet, on voit qu'il y a eu beaucoup de lois ces dernières années. C'est pas comme si rien n'avait été fait. Et c'est peut-être une partie du paradoxe. Clairement, il y a eu des conséquences liées à des événements, notamment la crise financière de 2008. Et deuxième aussi événement qui a suscité des lois, c'est l'affaire Cahuzac en 2013. Donc vous avez
les textes qui ont été adoptés, donc loi contre la fraude fiscale du 6 décembre 2013, la loi contre le crime organisé du 3 juin 2016, la loi réprimant les abus de marché du 21 juin 2016, la loi contre la corruption du 9 décembre 2016. Donc vous voyez qu'en la matière, le législateur n'a pas été en reste. Et pourtant, le constat reste un peu en demi-teinte, malgré cette suractivité législative. On a aussi pris le soin de solliciter toutes les organisations syndicales des services de l'État qui concourent à cette lutte contre la délinquance financière. Alors, de questionnaires qui nous paraissaient plus opportuns plutôt qu'une table ronde où finalement on va échanger assez trop peu et trop vite, de pouvoir leur laisser l'exhaustivité de déployer un argumentaire complet sur les sujets qu'ils pouvaient maîtriser. Il faut dire qu'on a eu des contributions quand même assez importantes et intéressantes qui ont pu nourrir notre réflexion. Pour commencer sur le périmètre de cette mission, c'est un périmètre à géométrie variable, c'est comme ça qu'on a titré les choses, parce que vous avez à la fois l'agrégat des escroqueries et infractions économiques et financières, qui est l'agrégat statistique que suit le ministère de l'Intérieur. Ce sont les chiffres de l'activité du ministère de l'Intérieur. Et parce que quand si vous nous demandez à Jacques et moi-même, c'est donnez-nous un chiffre global de la délinquance financière, on va vous dire, bah, écoutez, c'est pas possible. On peut vous dire les chiffres du ministère de l'Intérieur, on peut vous dire les chiffres que nous donne le ministère de la Justice, on peut vous dire les chiffres que nous donne la DGFiP et les douanes, mais on ne peut pas vous faire quelque chose de complet, un tableau exhaustif. En tout cas, global. Exhaustif, on a essayé quand même de le faire dans le rapport. Et parce qu'on a effectivement une absence de suivi statistique particulier en plus au ministère de la Justice. C'est-à-dire l'agrégat que vous avez du ministère de l'Intérieur avec les escroqueries assimilées, donc vous avez la falsification usage de chèques, volés sur les cartes de crédit, l'escroquerie à but de confiance, les fausses monnaies, etc., les infractions économiques et financières dans lesquelles vous trouvez la contrefaçon, le trafic clandestin, l'emploi d'étrangers sans titre, les banqueroutes, la fraude fiscale, évidemment. Tout ça est suivi particulièrement, mais du côté ministère de la Justice, ça se retrouve dans plusieurs statistiques de suivi, y compris en interne au ministère. En plus, ça, ce n'est que l'activité de la puissance publique, quand on regarde globalement. Vous avez une autre enquête qui est faite, conduite par l'INSEE et par le ministère de l'Intérieur, qui est l'enquête cadre de vie et sécurité. Donc c'est conjointement INSEE, ONDRP, le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui fait ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. Donc qui part des gens en leur demandant, d'un point de vue déclaratif, est-ce qu'ils ont, eux, été victimes ou non d'une escroquerie quelconque, d'une infraction quelconque. Et en fait, ça donne des chiffres assez élevés, puisqu'on a, par exemple, pour vous donner une indication, le nombre annuel de ménages victimes de débits frauduleux sur leur compte bancaire a été de 1,2 million de personnes qui déclarent avoir... subit ce type de délinquance financière. Or, vous n'avez pas 1,2 million de plaintes. Il y a 1,7 million de personnes qui disent avoir été victimes d'escroqueries, dont la moitié disent l'avoir été en ligne. Vous savez, un faux site, vous êtes tombé dessus, on vous a pris, vous avez donné vos références bancaires, hop, on vous retire des sous, 50 euros, vous n'avez jamais le service qui est rendu en face, et vous ne retrouverez jamais la personne qui vous a pris les 50 euros. Eh bien, on voit donc qu'il y a un taux de plainte extrêmement faible aux alentours de 10%, et donc c'est à prendre compte aussi dans la réalité de cette délinquance financière qui échappe aussi à la puissance publique parce qu'il y a très peu de faits qui sont déclarés. Et je vais laisser la parole à Jacques pour le grand 2. Merci Hugo. D'abord quelques mots pour dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec mon collègue Hugo Bernalicis sur ce projet initial. Votre groupe, c'était utile, agréable et complémentaire. J'ai aussi beaucoup apprécié la qualité de la contribution de nos administrateurs, M. Maisonneuve et Mme Bayeul. J'étais impressionné par leur niveau d'engagement et je pense qu'on a fait une très bonne équipe pendant ces 5 derniers mois où on a découvert des choses. Nous pouvons maintenant être des professionnels de la fraude parce qu'on a appris tellement de trucs qu'effectivement, on sait comment globalement gagner de l'argent sans trop se faire piquer, sans trop prendre de risques.
Mais ce n'était pas le but du rapport. Donc, mais si vous écoutez jusqu'au bout, je vous donnerai quand même quelques éléments si vous avez des problèmes de fin de mois. Oui, effectivement, comme l'a dit Hugo Bernalicis, on a vraiment une difficulté de saisie à travers les plaintes. Or, le mouvement est massif. Concernant uniquement la fraude aux moyens de paiement, donc c'est 1 200 000 victimes par an, c'est à peu près 800 millions d'euros, 750-800 millions d'euros. On voit bien que le montant unitaire par individu n'est pas extrêmement élevé, ce qui rend effectivement le fait que les banques indemnisent les fraudes à la carte bancaire sans nécessairement de porter plainte, une désincitation à l'action contentieuse, l'action pénale. C'est une difficulté. Une autre particularité, c'est le fait que la fraude au chèque elle-même se développe, alors même que l'utilisation des chèques vient à diminuer. D'ailleurs, ça a une conséquence assez forte, c'est qu'il y a de plus en plus de commerçants qui refusent les chèques. Donc 8% des transactions, mais 40% de la fraude. Et puis, il y a l'autre aspect, à côté de la fraude aux moyens de paiement, c'est les escroqueries. Les escroqueries, 1,7 million de victimes pour 240 000 faits constatés. Alors, les faits les plus courants, les modes opératoires courants, c'est les numéros surtaxés, vous le connaissez, c'est les pièges à la souscription. Et je vais vous donner un exemple concret. Vous allez sur Internet remplir le dossier pour voir une possibilité de location de maison pour les vacances. L'escroc récupère à cette occasion l'ensemble du dossier que vous avez soumis en ligne, c'est-à-dire souvent le scan de vos pièces d'identité, les fiches de paye, l'attestation de logement, que sais-je. Avec ces documents, il ouvre un compte en ligne, il récupère, puisque maintenant les comptes en ligne sont offerts par de nombreuses banques, il récupère tous les éléments qui permettent de faire un chéquier, une carte de crédit et des virements. Avec cette identité, il peut souscrire plusieurs emprunts, consommations et véhicules. Il récupère le véhicule, il ne paye pas la voiture. On l'a vécu en direct. Mais ça ne suffit pas. Il va poster une offre d'emploi et il va avoir plusieurs réponses, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de réponses. Il va envoyer par chèque ou par virement le vendredi après-midi des éléments permettant à la personne d'avoir une avance sur salaire parce qu'il faut je ne sais pas quoi, quelque chose qui... Beaucoup n'y croiront pas, mais certains y croiront. Cette avance sur salaire, qui sera naturellement non provisionnée, va aller de pair avec une demande à ce que l'individu en question envoie un petit virement pour acheter des vêtements de protection ou pour acheter la petite licence qui l'autorise à faire l'activité en question. Quand on a ce genre de choses, on voit que pour un seul escroc, avec aucun moyen, puisqu'on est vraiment sur Internet, on peut créer des dizaines de contentieux avec des dizaines de victimes réparties sur l'ensemble du territoire et de nature différente, des individus, des entreprises, des établissements bancaires. On verra des dizaines de procédures avec des dizaines de services enquêteurs concernant des dizaines de juridictions. Donc la capacité à emboliser, je dirais, le système judiciaire par un seul individu, elle est maximale. Le risque est très faible. C'est pourquoi on a une vraie question. Les banques aujourd'hui acceptent de payer quand elles sont, je dirais, face à leurs clients, les problèmes, parce que pour elles, malgré tout, le business de la dématérialisation est très rentable et qu'il y a une concurrence des banques en ligne. Donc ce que nous pensons, c'est qu'il faut le plus vite possible arriver à la mise en place du dispositif qui a été annoncé par le gouvernement d'identification numérique publique certifiée pour faire en sorte qu'on puisse lutter de façon efficace contre la dématérialisation de la gestion des comptes bancaires. Mais à côté de cette fraude, je dirais, dont l'individu est la victime, il y a la fraude à la finance publique. C'est un élément qui est très important pour Hugo en particulier. Il est aussi pour nous, évidemment, parce qu'il remet en cause le pacte social. L'exemple le plus probant, c'est celui de la fraude à la TVA. On estime, à travers le décalage
entre ce que suggèrent en termes de niveau de TVA les échanges dans l'économie française et ce que perçoit le fisc, qu'il y a un écart de 20 milliards d'euros environ. Alors c'est important, 20 milliards d'euros, parce que la TVA est le principal impôt que nous payons. Et c'est vrai aussi que c'est l'origine du crime, si je peux dire, c'est l'explosion de la fraude à l'occasion du développement du marché unique. Et donc face à cela, les pouvoirs publics n'ont mis pas de mesures en place sur, par exemple, la remise en cause de l'attribution automatique du numéro de TVA. Enfin, je ne vais pas aller dans le détail. Les instructions sur les passes, sur la place des demandes de remboursement. Il y a une multiplication. Cependant, le niveau de fraude aujourd'hui ne baisse pas. Et ce niveau de fraude ne baisse pas. Et d'ailleurs, la fraude à la TVA, avec le marché unique, c'est ce qui s'appelle la fraude carrousel. Alors, pour vous le schématiser, on a repris le schéma qui a été produit par la DGFiP, qui est le schéma simple. Hein, il peut être beaucoup plus complexe que ça. Mais disons qu'il vous faut au moins trois entités dans lesquelles vous faites des factures entre ces trois entreprises. Et il doit y avoir nécessairement, elles doivent nécessairement être complices, puisque quand vous faites une livraison, alors il y a l'exemple donné, c'est une livraison intracommunautaire à une entreprise française taxi ou missing trader, comme on dit, en bon français. Donc vous faites une livraison, le taxi vend au même prix TTC à troisième entreprise, mais sans verser au trésor la TVA collectée, puisque c'est les entreprises qui collectent la TVA. Et l'entreprise récupère ensuite, elle, la TVA, alors qu'elle ne l'a pas versée au trésor par l'intermédiaire. Et donc, vous pouvez avoir, là, c'est un schéma simple, hein, je veux dire, avec trois entités, mais vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7 pour noyer le poisson au fur et à mesure, avec des sociétés qui ferment en cours de route et l'administration qui arrive après la bataille. Donc, c'est le régime 42 qui autorise les marchandises à circuler en suspension de régime de TVA. Et donc, ce sont des déclarations erronées qui suffisent à brouiller les pistes. Et vous avez aussi des mécanismes de fausses factures qui créent artificiellement de la TVA déductible. Évidemment, cette fraude, elle est tambiton. Néanmoins, quand on compare l'activité économique avec ce qui rentre en termes de TVA, effectivement, les estimations sont autour de 20 milliards d'euros. Ce sont les chiffres de l'Union européenne de 2016. Solidaire Finances Publiques avait dit 15 à 19 milliards. La DGFiP propose une fourchette basse autour de 8 milliards, si je me souviens bien. Mais l'idée est qu'il y a des moyens, il y a un certain nombre de pays qui ont mis des dispositions en place pour éviter que cette TVA s'évapore dans la nature. Et donc, nous avons proposé, après analyse de ce que font les différents pays, comme l'Italie ou la Bulgarie ou l'Espagne, de mettre à l'étude le paiement scindé dans la perspective de l'assujettissement à la TVA des livraisons intracommunautaires. Qu'est-ce que c'est que le paiement scindé? C'est de dire, en fait, la TVA est directement collectée par les pouvoirs publics au moment où vous faites le paiement. Donc, vous faites le paiement hors taxe, donc ça demande que le système bancaire s'organise de sorte à ce que vous puissiez scinder le paiement hors taxe de la TVA. Avec les moyens technologiques qui sont les nôtres, c'est pas forcément la chose la plus complexe, mais ça demande quand même une organisation. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. L'Italie, c'est que sur les marchés publics, par exemple, vous êtes obligé de donner la TVA directement à l'administration fiscale. Le paiement scindé, comme il est présenté là, a été mis en place dans des pays d'Europe de l'Est. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc si on pouvait récupérer ces 20 milliards d'euros, je pense qu'on pourrait faire des grands discours sur la réduction de la dette, le déficit, etc. etc. Donc ça semble être un enjeu important, surtout que, comme je vous l'ai dit, la perspective de l'assujettissement à la TVA des livraisons intracommunautaires, c'est aussi un sujet qui est dans les tuyaux au niveau européen. Donc si la France pouvait être aussi moteur à ce niveau-là pour être en tête des pays d'Europe et impulser cela, je pense que le préjudice qu'on voit au niveau français, il est aussi un maximum au niveau européen, c'est pour toutes les finances publiques des pays d'Europe. Voilà pour l'exemple aussi de cette fraude à la TVA qui est importante. On a également des pratiques frauduleuses
plus générales qui sont en mutation. C'est la troisième partie de cette présentation. Avec d'abord une internationalisation de cette délinquance avec, par exemple, l'escroquerie au quota carbone. Ça a quand même été 1,6 milliard d'euros. 1,6 milliard pour une escroquerie au quota carbone. Les faux vices et les faux virements ou les fraudes au président, ça aussi c'est quelque chose, les fraudes au président. Hein, il y a des grands groupes qui se sont fait avoir, des grands présidents, on va dire ça comme ça. On l'a, certains l'ont fait savoir publiquement, d'autres ont plutôt mis ça sous le tapis, parce que je pense que, y compris dans les déclarations d'escroquerie en général, on n'est jamais très fier de s'être fait avoir. Ou on vous appelle. Je crois qu'il y a une anecdote, il y a une entreprise où les escrocs se sont fait passer pour Jean-Yves Le Drian. En disant, oui, j'ai besoin d'une demande de rançon, de payer une demande de rançon pour des Français, pour les faire libérer. Donc, ils surtout n'en parlent pas. Et donc, je te donne les références bancaires, tu fais le virement et puis tu seras remercié par la France, etc. Bon. Xavier Huillard, le PDG de Vinci, m'a confirmé avoir été lui-même victime de cet appel hier soir. Et quand ça paraît vraisemblable, vous le faites, quoi. Vous le faites. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Alors là, par ailleurs, c'est une filière plutôt, si je ne dis pas de bêtises, franco-israélienne, hein, qui est spécialisée dans ce type de délinquance-là. Et donc, c'est pareil, c'est plusieurs millions d'euros qui se sont évaporés dans la nature. 700 millions hein, détournés, on estime, à ce moment. Et en fait, y a des difficultés, c'est qu'à chaque fois que vous sortez des frontières nationales, vous vous doutez bien qu'il faut de la coopération judiciaire en la matière et que les demandes d'entraide et internationales prennent du temps parce qu'on ne peut pas contraindre tel ou tel pays à nous répondre dans la minute. Donc il y a des coopérations plus ou moins efficaces qui font que le temps de l'enquête surpasse très largement le temps de l'infraction qui, elle, a été extrêmement rapide, même qu'elle soit sophistiquée ou peu sophistiquée. Finalement, il y a une certaine agilité de cette délinquance financière, puisqu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques, vous pouvez avoir des numéros de téléphone sans laisser votre nom ou en laissant un nom de nom. Vous pouvez vous passer de ce même numéro au bout d'un mois, deux mois, on reprendra un autre, etc. Pas du tout très simple. Vous pouvez avoir des comptes bancaires temporaires, ce qu'on appelle les comptes rebonds, c'est les comptes Nickel, les comptes N26. Où vous avez du coup un vrai numéro de compte sur lequel vous pouvez recevoir de l'argent sans avoir été obligé de donner des justificatifs sur votre identité, sur qui vous êtes. Donc vous doutez bien qu'ensuite, pour retrouver le circuit, c'est une vraie difficulté. Et puis une sophistication dans cette fraude avec les options binaires, les placements en diamants, les terres rares, les crypto-monnaies. Et il y a même eu, on nous l'a dit, le France 2 qui avait fait un reportage sur le placement, sur le diamant, qui en fait avait ouvert la voie à une fraude qu'il a fallu éteindre assez rapidement. Donc, c'est-à-dire que même les médias, les chaînes d'information publiques se font avoir par le dispositif des escrocs et sont même amenés parfois à en faire la publicité en disant « Regardez, il y a de l'argent plutôt facile à se faire ». Et vous avez en réalité des circuits qui sont hybrides entre des circuits légaux qui apparaissent comme légaux, et des circuits clandestins, et des liens entre l'escroquerie internationale et le crime organisé, brouillé par le système de la hawala. En réalité, on se rend compte qu'il y a eu aussi un déport d'une certaine forme de délinquance, de criminalité organisée, qui était soit sur les stupéfiants ou sur d'autres types de délinquance, et qui s'est reporté, s'est spécialisé sur le blanchiment. Et il n'est pas rare que dans des affaires différentes, on retrouve le même circuit de blanchiment, avec des gens qui sont spécialisés dans le blanchiment d'argent collecté frauduleusement. Évidemment, face à ça, une fois que vous adressez le tableau de cette délinquance, il y a vraiment, pour nous, et c'est une proposition qui nous semble importante, un besoin de gouvernance interministérielle.
puisque pour les parlementaires que nous sommes, certes, tous les deux, nous avons passé 6 mois aider des administrateurs à faire des auditions, voir les différents services, voir l'étendue de ces infractions, de cette fraude. Mais nous n'avons pas de documents à notre disposition, d'outils statistiques à notre disposition, pour lors du projet de loi de finances, par exemple, se dire, bah, écoutez, il faut remettre un peu plus de moyens sur telle administration, ou en diminuer, ou là, c'est pas, là on a été bon cette année, là on n'a pas été bon, etc. Le seul document statistique transversal qu'il y a, il y en a un général sur la délinquance, mais qui ne va pas rentrer dans ce niveau de détail, et il y en a un sur la fraude fiscale, mais qui est mono-ministériel, puisque c'est un document de politique transversale partagé entre les douanes et la Direction générale des finances publiques. Or, comme vous le voyez, la fraude fiscale n'est qu'un élément d'une délinquance financière qui fait concourir plusieurs services. Donc, on a une proposition sur une gouvernance interministérielle, qui est d'ailleurs d'abord avoir un dispositif partagé de mesures et de suivi statistiques. Quand on dit partagé, c'est entre les différents ministères, entre le ministère de l'Intérieur, entre le ministère de la Justice, entre le ministère des Finances, pour avoir une cartographie complète de cette politique publique. Évidemment, de retracer ça dans un document de politique transversale, annexé au projet de loi de finances, qui remplacerait celui sur la fraude fiscale, de sorte à ce qu'on puisse avoir des indicateurs de suivi à la disposition des parlementaires, mais en fait en réalité aussi des citoyennes et des citoyens, puisque ce sont des documents publics, et de pouvoir avoir une discussion sur les moyens adéquats à mettre en face de ces indicateurs et de la performance dont on en attend. Et de mettre en place une délégation interministérielle de lutte contre la délinquance économique et financière. Et là, c'était Jacques qui souhaitait particulièrement que nous ne mettions pas une énième structure. Et à vrai dire, je partageais ce sentiment, puisque c'est quand même ce qu'on remarque, on le verra un peu plus loin, c'est qu'il y a énormément de ce qui concourt à tout ça, de fusionner la délégation nationale à la lutte contre la fraude, qui existe déjà, et le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour en faire une délégation ministérielle unique, donc avec à la fois son dispositif de suivi statistique aggloméré et à la fois son document de politique transversale pour rendre compte à la représentation nationale et puis aussi aider l'exécutif dans la conduite de cette politique. Alors, sur le plan de la lutte contre la fraude et la corruption, il y a une attitude, un parti pris des pouvoirs publics, c'est de mobiliser les acteurs privés et les institutions publiques pour ce faire, parce que la meilleure action, c'est quand même la prévention. Et la prévention, elle suppose que les organisations elles-mêmes prennent en charge le financement et la structuration des dispositifs de contrôle, qui peuvent être humains, qui peuvent être aussi technologiques et autres. De ce point de vue, il y a deux publics importants. Il y a le public des acteurs financiers, j'en parlerai un petit peu plus tard, et puis il y a le public des sociétés et autres. Et la loi Sapin 2 a créé quelque chose d'important, qui est l'Agence française anticorruption, qui fait suite au SRPC, au service de lutte de prévention de la corruption. Elle a 3 axes de travail. Elle a d'abord la prévention, faire en sorte qu'on puisse, dans une des entreprises en question, vérifier qu'elles ont des dispositifs anticorruption. Alors évidemment, on parle d'entreprises de plus de 500 salariés et on parle des EPA et des EPIC, des EPA et des EPIC qui sont importants. Elle a aussi le contrôle des décisions de justice. Et là, c'est important parce que vous savez que se multiplient, on va le voir un peu plus tard, les conventions judiciaires d'intérêt public et les transactions, en réalité. Et ces transactions, ce n'est pas un chèque en blanc et une espèce d'absolution. C'est vraiment, la reconnaissance d'une culpabilité, quelque part. Et, presque. Pas tout à fait. Et le fait de mettre en place des dispositifs qui font que ça ne se reproduira plus. Donc il y a le contrôle et puis il y a le conseil, effectivement, puisque les entreprises, bien souvent, sont victimes de corruption, y compris en interne, parfois avant même d'en avoir pris conscience du risque de l'avoir organisé. Le problème qu'on a avec FA, qui est une structure qui est importante aussi du point de vue de la lisibilité de l'action française à l'international, c'est qu'elle se voit opposer beaucoup de secrets, le secret professionnel,
souvent, le secret fiscal de la part de la DGFiP, le secret statistique de la part de l'INSEE, et qu'elle a aussi des difficultés, elle commence à bien avoir une méthodologie, une cartographie pour lui permettre d'axer ses actions là où c'est important. Et donc, on propose deux choses. D'abord, lui donner les moyens de lui confier la constitution d'une base de données et d'une cartographie permettant d'agir, et puis aussi de ne pas lui opposer le secret professionnel de la part des opérateurs privés, puisque, évidemment, dans ces cas-là, elle ne peut pas agir. Plus, je dirais, plus ancien et plus important sur le plan quantitatif, il y a la question des banques et des acteurs financiers. Là, on est dans le domaine de la déclaration de soupçon, qui existe en fait depuis le GAFI, qui date du début des années 90, et TRACFIN, qui est maintenant assez connu. C'est assez important, puisqu'il y a chaque année des dizaines de milliers de déclarations de soupçons qui ont progressivement étendu leur périmètre. Bien sûr, le cœur, c'est les banques. 70 000 déclarations, deux tiers viennent des établissements de crédit, étendues aux assurances. Les assurances françaises étaient ouvertes, un peu réticentes sur la question d'assurance dommage, on leur a imposé. Et on a, assurance dommage, c'est-à-dire automobile et autres, et on a constaté avec un peu d'étonnement qu'en fait, il y avait beaucoup de déclarations de soupçons qui concernaient l'assurance dommage. Il y a la fraude aussi aux assurances dommage, évidemment. Alors que la profession est elle-même assez peu mobilisée. Et puis il y a effectivement d'autres acteurs. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué pour des petits acteurs qui ne se sentent pas spécialement concernés alors qu'ils peuvent en être victimes, voire acteurs. Les antiquaires, les secteurs de l'immobilier, les sociétés de domiciliation, les marchands d'art. Là, elles sont peu nombreuses et il y a un vrai travail de mobilisation à faire pour qu'ils se sentent plus concernés. Et ça passe effectivement par le rôle du COLB et d'autres structures. Et puis, on a quelque chose qui nous apparaît problématique, c'est l'apparition de nouveaux risques, notamment liés aux nouvelles technologies dans le contexte de la libre prestation de services, y compris transfrontalières au sein de l'Union européenne. On pense en particulier à la monnaie électronique, au bitcoin, aux crypto-actifs. Ça se développe extrêmement vite. Les places de marché sont détenues par peu de monde, mais les gens qui investissent sont très nombreux. Et aujourd'hui, on est vraiment en alerte. Il faut, avant qu'il n'y ait des catastrophes, car il y a déjà de la fraude, que l'ensemble des recommandations du GAFI, quand il se prononce, soient intégralement appliquées à ces activités, même si elles sont très innovantes. Et puis, on en arrive à quelque chose qui n'est pas forcément très connu. C'est le contrôle des autorités de tutelle et des administrations et le contrôle prudentiel. Alors, je vais aller assez rapidement. Il y a l'AMF, vous connaissez, l'autorité des marchés financiers, elle surveille, elle a même, je dirais, une très forte, je dirais, action, voire un monopole quasi de compétence sur la question de la surveillance des opérations de bourse. Elle publie la liste noire des sites douteux. Elle est efficace. Elle a des moyens. Nous proposons de doter l'AMF d'une unité d'investigation judiciaire afin de lui permettre d'assurer l'intégralité du traitement pénal des délits boursiers. Ces délits boursiers qui font peur, en fait, souvent aux juridictions et aux services d'enquête, et pour lesquels, si l'AMF, s'y implique, y compris avec la complexité qui est liée au fait que c'est une autorité indépendante, il faut trouver une solution pour qu'elle puisse faire ce travail. Je voudrais dire deux mots sur quelque chose qui est totalement méconnu, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La fonction de supervision, mais aussi de contrôle prudentiel. Contrôle prudentiel, c'est je mets des capitaux dans la banque ou dans l'assurance en face de ces risques. Bon. Donc l'activité classique de surveillance de blanchiment, elle est correctement faite. Ça demande des moyens très importants. Et là, il y a un débat. On a eu un débat, mais qui est un débat de nature un peu idéologique, c'est de savoir si oui ou non, il est sain que des opérateurs financiers soient responsables eux-mêmes de leur propre police. Et pourrait-on imaginer de faire en sorte que ce contrôle ait lieu au sein de l'administration? Alors, pour vous donner une petite idée, une grande banque que je ne citerai pas, mais qui est citée dans le rapport, mais 660 millions d'euros de coûts annuels dans la fonction contrôle, supervision des risques,
et dans les systèmes, individus et systèmes. Ça veut dire globalement des milliers de personnes, 3000 personnes. On ne peut pas imaginer effectivement de faire en sorte que ces 3000 personnes pour un établissement public soient à l'extérieur, parce que ça correspond. Privé, soit à l'extérieur, dans le service public, parce qu'effectivement, il n'y a pas l'intimité et il n'y a pas la responsabilisation. Il y a quelque chose qui est encore plus, qui n'a jamais été dit, je crois, dans aucun rapport, c'est la question des capitaux immobilisés. Finalement, ces entreprises doivent pouvoir mettre des capitaux en face des risques pour pouvoir assumer les chocs. C'est ce qu'on appelle le risque opérationnel, dans lequel la fraude est le risque le plus important. Et ce sont les accords de Bâle, je ne sais pas si vous avez tous en tête, mais Bâle 3 pour les banques, Solvabilité 2 pour les assurances. Et le marché français met pour les banques et les assurances entre 9 et 10 milliards d'euros dans les comptes de capitaux obligatoires. C'est des sommes considérables. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que 9 milliards d'euros pour les banques, qui doivent être rémunérés selon les attentes du marché de l'ordre de 10% minimum, ça veut dire qu'on a 900 millions d'euros par an de prélèvement du résultat qui sert à rémunérer des capitaux qui sont inertes. Donc on voit bien que finalement, le contrôle de l'ACPR est un contrôle assez exigeant et qu'il a des conséquences sur la vie concrète des organisations très importantes. Alors évidemment, là-dessus, ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Ils ont des risques, ils ont des fraudes, ils le subissent, ils en payent les conséquences financières de façon énorme, puisqu'ils sont d'accord que si le risque zéro n'existe pas, la tolérance est une tolérance zéro. Et là-dessus, il nous faut des services. Et là, on a un petit problème, c'est que la qualité de la relation au plan humain est correcte, mais la qualité de la relation au plan industriel entre les services d'enquête et les établissements bancaires est bonne. Parce qu'en fait, pour être très concret, quand les services font des requêtes, les banques leur envoient des masques d'écran, il leur envoie des photocopies, des scans, alors qu'on est dans des processus de contrôle industriel. Et donc, ce que nous demandons, c'est des choses qui sont très concrètes, très pratiques. D'abord, une procédure et un format normalisé de transmission des réponses, et ensuite, des réponses chiffrées sur les comptes des clients, et ensuite, une plateforme unifiée de traitement sous la responsabilité du ministère de la Justice. Je dirais très vite sur TRACFIN. TRACFIN, j'en ai pas mal parlé. Nous disons simplement la chose suivante. C'est l'exemple de quand on met les moyens depuis des années dans un ministère qui est riche, dans un ministère qui, globalement, a la capacité, qui fait un peu d'envie d'ailleurs à ces ministères partenaires. On voit qu'on a une structure qui est à peu près consensuelle dans la capacité technique, la capacité humaine et dans la capacité à alimenter à la fois les services d'enquête et les services de renseignement. Dernier point, j'en viens sur la question des lanceurs d'alerte. Ça nous a interpellé cette question, puisque en fait, avec la loi Sapin 2, nous avons un statut des lanceurs d'alerte qui leur permet une certaine protection juridique. Mais la réalité, c'est que ce statut est assez peu utilisé, ou plutôt le processus prévu par Sapin 2 est assez peu utilisé, puisqu'il impose de passer par la hiérarchie de sa propre entreprise et ensuite par les autorités publiques et enfin éventuellement par le public. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a un mois, une directive a été votée qui remet en cause, dans laquelle la France et l'Allemagne ont été battues sur le principe même de maintenir l'obligation de passer d'abord par l'entreprise. Donc ça va forcément évoluer en France à terme. Et deuxièmement, l'histoire montre que il ne fait pas bon quand même être lanceur d'alerte en France, puisque même si vous avez une protection juridique, vous êtes au chômage. Je prends l'exemple effectivement de deux sujets qui concernent UBS. Aux US, Bradley Birkenfield a reçu 75 millions de dollars pour avoir fait une déclaration, avoir joué son rôle, une dénonciation. Stéphanie Gilbaud, en France, n'a pas jamais retrouvé d'emploi, vit des minima sociaux et a dû vendre son appartement pour survivre. Et là, il y a une question éthique que nous nous sommes posées. Voulons-nous aller dans le système américain, dans lequel on rémunère le lanceur d'alerte? C'est presque, à la limite, une incitation explicite à aller chasser la prime. Ou sommes-nous pudiques, pudibons, voire protestants, en disant, voilà, on ne le fait que par éthique? Nous pensons qu'il faut quand même aller au-delà.
Il y a eu une sanction de la disposition qui était prévue dans Sapin 2 pour laquelle le défenseur des droits devait pouvoir avoir indemnisé. Il faut pouvoir indemniser, non pas en proportion, je dirais, du montant récupéré, mais il faut indemniser et permettre aux individus de ne pas être victimes. Et donc là, nous pensons qu'il faut remettre le sujet sur le chantier et éventuellement le compléter par la possibilité d'un accès facilité à l'emploi public. Vous savez bien qu'on recrute souvent des hackers pour pouvoir se protéger du hacking. On pense qu'il peut y avoir ici ou là de l'intérêt à avoir. Ça ne concerne que quelques individus, très peu nombreux, et on doit pouvoir trouver des solutions qui leur permettent de ne pas être au RSA parce qu'ils ont voulu aider la société. L'indemnisation d'un côté, des secours et l'emploi public. Disons que le secours financier, pour compléter avant de passer à la suite, il est plus dans la question de l'urgence. La question de l'emploi, l'accès à l'emploi public facilité, ce n'est pas une obligation. Je veux dire, le lanceur d'alerte ne sera pas obligé de travailler dans la fonction publique. Hein, c'est pas le... Mais c'est de se dire qu'on part du constat que ces personnes, dans leur secteur d'activité, sont blacklistées par les différentes entreprises qui se disent bah, « je ne vais pas prendre un lanceur d'alerte parce que bon, hein, voilà, vous comprenez ». Et donc, pour répondre à cette difficulté à retrouver un emploi pour ces personnes-là, on leur dit bah, « écoutez, on vous propose un accès facilité à l'emploi public, vous pourrez rentrer dans l'administration ». Si en plus on était souple et agile, comme je l'entends souvent dans l'hémicycle, on pourrait même, comme on le fait pour les hackers, leur trouver un emploi public qui correspond à leurs compétences et où ils puissent contribuer à l'intérêt général et pourquoi pas à développer les alertes qu'ils pourraient eux-mêmes susciter avec la puissance publique. On passe au contrôle fiscal. C'est une partie intéressante. Et il faut dire qu'on s'est basé, ça va me permettre d'introduire cette particularité, des éléments de la Cour des comptes. Dans ce rapport, à la fois d'une analyse qui a été faite par la Cour des comptes sur la DGFiP et sur le contrôle fiscal en particulier, un rapport qui a été rendu en 2018, et puis aussi sur notre sujet de la délinquance financière, parce qu'il est d'actualité en réalité, il est toujours d'actualité. Vous avez la Cour des comptes qui s'est aussi saisie exactement du même sujet que nous, du même périmètre, qui a rendu un référé il y a un peu moins d'un mois. Vous en retrouverez trace. Et donc, on a pu aussi bénéficier d'une partie de l'expertise, on va dire, de la Cour pour ce rapport. Et sur le contrôle fiscal, on a une baisse des effectifs de la DGFiP de 17% entre 2009 et 2016. Alors certes, le ministère des Finances est un grand ministère qui a des moyens, mais c'est un ministère qui sait aussi se séparer d'un certain nombre d'agents. Et on a aujourd'hui 10 000 agents qui sont affectés au contrôle fiscal. Et sur les contrôles, en réalité, il y avait le ministère des Finances avait promis, entre guillemets, assuré qu'il y aurait, dans le cadre de la baisse générale des effectifs de la DGFiP, une sanctuarisation des effectifs du contrôle fiscal. Or, ça n'a pas été le cas. Et les effectifs du contrôle fiscal ont même plus baissé en moyenne que la baisse générale des effectifs au sein de la DGFiP. Ce qui fait qu'on constate, entre 2012 et 2016, une baisse du contrôle externe de 6,6% et une baisse des contrôles sur pièces de 17,3%. Alors ceci est en théorie compensé par des nouvelles méthodes d'échantillonnage avec du data mining où on va essayer d'utiliser des algorithmes pour cibler les endroits pour faire des contrôles plus précis, plus pointus. Néanmoins, la masse de contrôle est en diminution. Par ailleurs, on a sur le contrôle fiscal le STDR, et je ne vais même plus me souvenir de ce que veut dire cet affreux sigle, mais c'est le dispositif qui permettait aux fraudeurs fiscaux de se signaler par eux-mêmes en disant « je voudrais régulariser ma situation ». Ce qui fait que dans le tableau que vous avez sur la présentation, sur les sommes recouvrées, vous avez des sommes assez importantes, de l'ordre de 8,5 milliards d'euros qui ont été recouvrées et qui correspondent au montant à recouvrer. Parce que sur les autres, et vous l'aurez dans le rapport plus détaillé, vous avez un gap entre la somme qui doit être recouvrée par les finances publiques et ce qu'on arrive réellement à récupérer à la fin.
Là, vous avez du 100%, hein, puisque c'est les gens qui eux-mêmes sont venus dire « Écoutez, je voudrais régulariser ma situation ». Le dispositif a pris fin au 31 janvier 2017, donc il n'est plus en vigueur. Et en théorie, puisque la masse de non-déclarations n'a pas fondu comme neige au soleil, on devrait pouvoir retrouver au fil des années au moins une partie de ces milliards qu'on a pu récupérer par ce dispositif, notamment qui ont fait suite à des fuites de listes, hein, vous savez, d'évasion fiscale. Et donc, effectivement, comme je vous le disais, un recouvrement encore insuffisant. Donc, pour la DGFiP, sur le contrôle fiscal de base, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur la capacité et les moyens qu'on a et qu'on met en œuvre pour ce contrôle fiscal, puisque c'est finalement le contrôle de base qui permet ensuite d'alimenter les autres services qui, eux, vont être chargés des investigations. Et donc, si vous tarissez la source, ça devient compliqué pour chasser les fraudeurs. On vous présente ensuite l'organisation complexe des services enquêteurs. Bon, on a eu un petit débat sur est-ce qu'on mettait illisible ou pas. Moi, j'étais pas... Comment je vais dire ça ? J'ai préféré que ça parce que illisible, ça voudrait dire qu'on n'est pas sûr que les uns et les autres sachent bien ce qu'ils sont chargés de faire. Or, chacun de ces services, aussi nombreux soient-ils, ont un spectre d'infractions à gérer. Donc, pour eux, c'est clair dans leur boulot au quotidien. Même s'il y en a certains qui ont des doublons. D'ailleurs, on a fait des préconisations en la matière. Mais en tout cas, c'est éparpillé, éclaté, morcelé. Vous trouverez le terme qui vous convient le mieux. Parce que, en termes, donc là, c'est uniquement les services d'enquête à vocation nationale et spécialisés sur la délinquance financière, parce qu'en fait, il y a plus large que ça, mais sur les services spécialisés. Sur le haut du spectre, la grande délinquance financière. Vous avez à la préfecture de police de Paris la sous-direction des affaires économiques et financières avec 30 personnes. Je ne vous fais pas la répartition par service. Vous avez la direction centrale de la police judiciaire avec les deux offices centraux qui sont dans le secteur les plus connus, l'OCLCIF avec 90 agents et l'OCGRDF avec 90 agents également, l'OCGRDF faisant surtout le blanchiment. Et le CELSIF, c'est surtout la suspicion, enfin en partie la suspicion de fraude fiscale, avec 43 agents sur cette partie-là. Il faut savoir que pour le CELSIF, ils sont revenus à leur effectif initial, quand ils ont été mis en place après 2013. Donc on a une relative stagnation de ces effectifs, de ces directions d'enquête spécialisées. Ensuite, vous avez la Direction générale des douanes et des droits indirects et la Direction générale des finances publiques. Donc, du côté, le SNDJ, donc les douanes judiciaires, c'est 260 agents. La police fiscale, là, c'est 30 agents et qui sont en cours de formation. Ils ne sont pas encore opérationnels, puisque c'est ceux qui sont issus de la dernière loi en date sur la fraude fiscale. Et vous avez la Direction générale de la Gendarmerie nationale, la DGN, qui elle aussi a 15 cellules nationales d'enquête avec 135 agents en tout. Donc vous voyez, si vous faites le total, on est autour de 800 personnes, tous services, tous ministères confondus, concourent à lutter contre la délinquance financière dans le haut du spectre et avec un champ d'infraction qui est extrêmement large. Parce que ce n'est pas que la fraude fiscale, hein. Vous avez le droit pénal des affaires, l'atteinte à la probité, corruption d'agents publics étrangers, le financement de la vie politique. Vous avez donc le blanchiment, les biens mal acquis, les infractions douanières, l'escroquerie à la TVA, le travail dissimulé. Enfin, c'est extrêmement, extrêmement large, les faux et usages de faux, évidemment. L'idée étant que tous ces services concourent dans la même direction et qu'on puisse un peu plus rationaliser tout ça. D'ailleurs, il y a une proposition qui vise à intégrer la partie judiciaire de la direction, donc de la préfecture de police, sur ces services spécialisés d'enquête financière, de l'intégrer à la direction centrale de la police judiciaire. Ce n'est pas une petite proposition pour qui suit les débats internes au ministère de l'Intérieur, mais ça nous paraît être une évidence, y compris pour monter en compétence des uns et des autres, sachant qu'il y a aussi des sujets RH extrêmement importants. Je ne crois pas qu'on aborde dans le rapport plus loin, donc j'en dis juste deux mots. Il y a une difficulté à fidéliser les agents dans ces secteurs de lutte contre la délinquance financière. Sur les 90 agents de l'OCLCIF
qui est un organe extrêmement important puisque c'est eux qui suivent 60% de leurs enquêtes sont fournies par le parquet national financier, qui est un peu le service d'élite du côté magistrat dans la lutte contre la délinquance financière. Et ils sont passés au mois de septembre, au moment où, peu de temps après qu'on ait commencé la mission, de 70 à 90 agents. Ils sont descendus jusqu'à 70 agents. Et dans ces recrutements, en réalité, ce sont quasiment à 100% des policiers, soit très jeunes dans leur métier de policier, et dans tous les cas, des policiers qui ne connaissent pas ce secteur de la délinquance financière. Et avec des postes vacants. C'est-à-dire qu'ils auraient, en théorie, ils devaient recruter plus que ça. Et ils n'ont pas eu de candidats. Ça interroge quand même. Y compris parce que, au sein du ministère de l'Intérieur et des services de police, vous avez une incitation à la mobilité pour prendre des grades, pour avancer dans votre carrière. Et de facto, il y a des enquêteurs qui finissent par s'en aller pour pouvoir avancer dans leur carrière, alors même que pour développer des compétences sur le haut du spectre en matière de délinquance financière, un bon enquêteur, nous ont-ils dit, il faut devenir vraiment opérationnel au top à partir de 3-4 ans, quoi, en poste. Donc si au bout de 3-4 ans, il commence à penser à s'en aller, c'est peut-être pas c'est peut-être pas optimisé. Donc vraiment, il y a un sujet dessus, et il y a un sujet des officiers fiscaux-judiciaires, des gens qu'on a pris, des inspecteurs des finances publiques qu'on a mis des services de police en leur donnant une formation de policiers, qui a un résultat très, très intéressant. En tout cas, tous les retours qu'on a eus, c'est que c'était extrêmement positif. Et c'est ce même statut qui va créer la police fiscale à Bercy. Et là, il y a un sujet de concurrence entre les services. Les policiers nous en font part. Les officiers fiscaux judiciaires qui travaillent avec les policiers aujourd'hui, mais qui sont toujours inspecteurs des finances publiques, nous ont fait part aussi de leurs craintes. Et on a vu que les affaires étaient en diminution. Les affaires fournies par Bercy à l'OCELSIF étaient quasiment réduites à néant en prévision de cette future police fiscale. Donc il faut essayer de trouver plutôt des complémentarités que des concurrences. Mais on va attendre de voir ce qu'il en est sur ce sujet. Mais il y a un vrai sujet RH de fidélisation, de promotion dans cette carrière. Vraiment qui a regardé de très près et qui ne rentre pas forcément dans le rôle du législateur, mais qui nous a interpellés. On a une charge de travail qui augmente et on a mis des résultats médiocres. Alors c'est peut-être un peu rude et dur de dire ça comme ça, mais c'est une réalité qui ne tient pas forcément des professionnels qui sont dans le secteur, parce qu'on a vu que des gens qui étaient impliqués et en réalité passionnés par leur métier par ailleurs. Quand on vous livre les anecdotes, comme vous a livré sur les délinquants, comment ils fonctionnent, etc. Bon, je pense qu'on pouvait en parler pendant 2 jours avec eux. Ils étaient intéressables sur le sujet, sur comment les délinquants fonctionnent. Néanmoins, on a quand même, en termes de faits constatés et faits élucidés, si on prend au global, sur le volume du ministère de l'Intérieur, vous avez 408 000 faits constatés et 164 000 faits élucidés. Ce qui fait un pourcentage assez faible, mais vous avez des secteurs, donc falsification et usage de cartes de crédit, taux d'élucidation 8%. La statistique est compensée par les infractions sur la législation sur les chèques, avec 113% en taux d'élucidation. Alors ne prenez pas peur sur le fait qu'on élucide plus de ce qu'on constate, parce que c'est une photographie à l'instant T. Ça veut juste dire qu'une enquête qui a commencé en année N-1 peut être clôturée en année N, qui va rentrer dans la colonne fait élucider. En gros, fait constater, c'est ce qui rentre en entrée à l'année N, et fait élucider, c'est ce qui sort à l'année N. Donc vous pouvez avoir des distinctions, mais ça vous donne, en gros, ça vous donne un ordre d'idée sur ces sujets. Et quand on l'a vu à Lille, quand on a fait le déplacement à Lille, à la direction départementale de sécurité publique, qui gère le bas du spectre de la délinquance financière, vous avez en réalité très peu de faits élucidés, et même énormément de classements sans suite de la part du procureur. Parce qu'on l'a dit, souvent, c'est des petits préjudices, une escroquerie à 50 euros, etc. Il y a vraiment un sujet d'agglomérer, de capacités à agglomérer. Donc la proposition, c'est de rationaliser le traitement des réquisitions des services de police aux établissements bancaires. Jacques en a un peu parlé l'heure du côté aspect des banques. C'est-à-dire qu'en gros, quand les services de police demandent les opérations de compte, il ne faut pas envoyer une feuille de compte scannée, qui oblige l'enquêteur à remettre tous les numéros, enfin toutes les sommes dans un tableau Excel pour ensuite éventuellement commencer à faire l'enquête. Parce que vous vous rendez compte, si c'est une feuille de compte, un mois, bon, ça va. Mais quand vous êtes sur la grosse délinquance, vous avez plusieurs mois de mouvements de compte avec plusieurs mouvements de compte, des petits mouvements.
vous vous rendez compte, de la masse. Donc ça, on sait faire. Il y a des dispositions qui ont été prises dans le projet de loi justice en la matière pour obliger à un certain formalisme quand on a des réquisitions des services de police, et puis la possibilité de créer une plateforme automatisée, comme vous avez pour les écoutes judiciaires. La PNIJ, l'équivalent de la PNIJ, de la mettre auprès des établissements bancaires. Il faut que j'accélère, oui. Intégrer des gens de certaines administrations dans des brigades de police judiciaire sur le modèle des inspecteurs des finances publiques ou des agents des douanes. Ça, c'est extrêmement important aussi. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'infractions qui étaient constatées par des ministères, par exemple l'inspection du travail. Et ensuite, parce qu'il faut judiciariser, c'est un policier qui reprend l'affaire sous la forme judiciaire, alors suivant le code de procédure pénale, pour qu'ensuite ça peut être suivi par le parquet. Or, on a vu avec le CELSIF, dont je vous ai parlé, avec les officiers fiscaux judiciaires, qu'en apportant quelqu'un dont d'abord le cœur de métier, c'est la fraude fiscale, en tout cas la fiscalité, et de lui donner la qualification de policier, c'était bien plus efficace. Et on arrivait à recruter des gens de cette manière-là. On pourrait imaginer que sur un certain nombre d'autres ministères qui ont à connaître des infractions, on puisse aussi suivre le même dispositif d'intégrer des agents de ces ministères, de leur donner une qualification judiciaire, de sorte à ce qu'ils aient à la fois la connaissance métier et la connaissance policière pour avoir quelque chose de beaucoup plus intégré. Et puis évidemment, parce que ça tombe sous le sens, augmenter les effectifs des services de police spécialisés. Voilà, quand on voit les sommes d'argent qui sont à récupérer, quand on voit les effectifs qui sont mis en face, quand on voit la rentabilité de ces services, parce qu'ils sont extrêmement rentables, en réalité, on pourrait faire un effort substantiel en la matière. On a du côté justice, on a des juridictions spécialisées, avec les juridictions interrégionales spécialisées, qui sont focalisées sur la criminalité organisée, et qui ont des particularités avec des magistrats spécialisés sur la délinquance économique et financière. Or, on a mis un dispositif en quoi ? Parce que, en réalité, vous avez sur la GIRS de Lille, qui va de la Normandie jusqu'à Troyes, hein, en termes de périmètre géographique, c'est quand même un truc assez énorme, vous avez en réalité, du côté de l'instruction, deux juges d'instruction. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'expliciter au-delà. Ils font, eux, comme tous les autres, ce qu'ils peuvent. Et en réalité, ils se concentrent sur les affaires les plus grosses. Et il y a néanmoins des affaires importantes qui vont redonner aux juridictions classiques qui n'ont que peu ou plus de spécialisation économique et financière. Et ça, c'est vraiment assez inquiétant. Là où, à une époque, on pouvait avoir des juridictions, y compris en département, il y avait quelques magistrats spécialisés en la matière. Il faut dire que, vous le savez, le nombre de magistrats en France est un peu à la traîne par rapport à d'autres pays européens et qu'on pourrait monter en puissance là-dessus, notamment sur la lutte contre la délinquance financière. Et puis, y compris sur le haut du spectre et sur les juridictions spécialisées, et notamment le parquet national financier, vous avez une évolution du stock d'affaires en cours qui est en hausse impressionnante. C'est-à-dire qu'on commence en mars 2014 avec 108 procédures en cours pour être en 2018 à 508 procédures en cours. Pour un nombre de magistrats qui a certes un peu augmenté, mais pas beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on est à 18 magistrats, 18 parquetiers au parquet national financier, avec très peu d'affaires qui sortent en bout de course. Donc c'est-à-dire que vous avez beaucoup un flux d'entrée qui a été très fort, notamment des enquêtes à l'initiative du PNF qui s'est saisi de sujet au début, au moment de sa création. Aujourd'hui, qui ne se saisit lui-même quasiment plus de dossiers parce que faut traiter ceux qui sont là. Et c'est là toute la difficulté, y compris pour recruter pour eux des assistants spécialisés. Ils nous en ont fait la demande, notamment sur des grosses affaires en cours à venir, comme celle d'Airbus, où on voit que par rapport à d'autres services à l'international, on a des moyens extrêmement faibles, que ce soit les moyens judiciaires, au sens des magistrats, ou du côté policier. Donc, augmenter et diversifier les effectifs du parquet national financier paraît être nécessaire. Dans l'étude d'impact qui avait prévu la mise en place du PNF, ils avaient proposé une moyenne de 8 affaires par magistrat.
On en est très très loin. Si on voulait 8 affaires par magistrat, il faudrait doubler, voire même tripler le nombre de magistrats du PNF. Et je pense qu'encore une fois, vu leur rendement, ce serait pas de trop. Rapidement, pour terminer, un élément très important, c'est quand même la solvabilité de ces fraudeurs qui ont de l'argent, puisqu'ils l'ont volé. Et donc, l'efficacité, la sanction pénale est parfois difficile, mais peut être fait, y compris dans les phases préliminaires de l'enquête, c'est la saisie des biens, notamment, qui sont constitutifs de l'infraction, de la fraude. Et ces biens sont importants. Hein, entre police et gendarmerie, regardez un petit peu, on est souvent sur une base annuelle de l'ordre de 500 millions d'euros. Il y a eu des progrès qui ont été faits avec une agence de gestion, une plateforme, mais la réalité, c'est que ça reste quand même très compliqué. On saisit quoi ? On saisit des voitures, on saisit des logements. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, les voitures restent sur les parkings au lieu d'être attribuées dans le cadre de saisies confiscatoires auprès des services enquêteurs. Au bout d'un an, une voiture, d'abord, elle coûte cher en termes d'entretien, en termes de stockage. Au bout d'un an, au bout de deux ans, trois ans, elle ne valent plus rien. Et la réalité, c'est qu'il faut absolument accélérer la capacité, soit de les vendre, soit de les utiliser, y compris éventuellement les vendre en cautionnant l'argent et en le libérant au moment où la personne n'est pas condamnée. Donc ça, c'est quelque chose. On a des propositions très concrètes et assez efficaces. Pour les biens immobiliers, c'est encore plus regrettable. On a des situations qui sont juridiquement complexes du fait de leur état. Et là, ce qu'on propose simplement, c'est qu'il faut sortir du code général de la propriété des personnes publiques pour ces biens-là, et qu'ils doivent rejoindre un régime juridique beaucoup plus proche du droit commun de l'immobilier pour pouvoir être, liquidé de façon efficace. Sur les sanctions pénales, il y a quelque chose quand même qui est très important, c'est le développement depuis 2016 de la convention judiciaire d'intérêt public. Si on parle de le fait d'attaquer au portefeuille, ça ne s'applique bien sûr qu'aux personnes morales et pour des infractions qui ne relèvent que de la délinquance financière. Et là, on fait quelque chose qui simplement est plutôt pas trop de propositions, mais parce qu'on est en stade quand même assez préalable, mais une bonne visibilité de ce qui se passe. Il y a une vraie dynamique sur le CIGP depuis quelques semaines et quelques mois, encore très dernièrement, avec l'affaire du tribunal correctionnel de Paris. On en est à 550 millions d'euros en 2018, et on a une opération en 2000, il y a quelques mois, de 3,7 milliards d'euros UBS. Alors évidemment, ça a pour conséquence de faire échapper le délinquant à une sanction pénale, qui elle-même a un facteur de dissuasion, mais ça permet quand même deux choses. D'abord, de sanctionner lourdement des personnes morales qui sont de ce fait désincitées à agir comme ça. Et deuxièmement, ça nous permet aussi de rendre beaucoup plus crédible au plan international notre lutte anticorruption, notamment dans des contextes où Américains, voire autres, justifient l'extraterritorialité de leur dispositif de sanctions à travers l'inaction de leurs partenaires. Donc là, je pense qu'on va voir, ce n'est qu'un jugement en première instance, mais on a franchi une étape qui est complètement significative. Si je peux lui dire un petit mot, tu comptes. Vas-y, vas-y. Oui, bon, là-dessus, il y a eu un point de débat entre nous, parce que pour la France insoumise, il n'y avait pas de... On n'est pas pro-convention judiciaire d'intérêt public, donc c'est clair qu'il y a une tension entre faire rentrer l'argent rapidement, et l'argent rentre rapidement, le recouvrement est 100%, c'est pareil, puisque comme c'est transactionnel, vous retrouvez l'argent que vous avez proposé à la personne morale qui était en infraction. Mais clairement, il n'y a pas de culpabilité, vous n'êtes pas reconnu coupable. Donc c'est la tension entre qu'est-ce qu'on pense être le plus dissuasif, l'infraction pénale en tant que telle, avec la sanction, avec la capacité de pouvoir être reconnu coupable, ou est-ce que c'est la convention judiciaire d'intérêt public avec la non-culpabilité, mais la rentrée d'argent extrêmement rapide. Juste avant de laisser la conclusion finale à Jacques, dire un petit mot pour remercier chaleureusement les administrateurs qui nous ont accompagnés pendant 6 mois. Personnellement, j'ai été impressionné par la capacité de travail des uns et des autres de fournir en un temps record un rapport aussi fourni, aussi détaillé, aussi précis, aussi sourcé. Là, je vais plaider pour l'évaluation, la mission d'évaluation au sein de cette Assemblée. Je pense que, y compris à l'Assemblée nationale, nous avons trop peu de moyens pour faire de l'évaluation et qu'il mériterait d'être aussi forcé
dans leurs effectifs et dans leur capacité à pouvoir fournir ce genre de travail pour les parlementaires que nous sommes dans cette mission qui est constitutionnellement consacrée de l'évaluation. Voilà, vraiment les en remercier chaleureusement et remercier Jacques aussi, avec qui nous avons fait, je pense, un excellent travail, une excellente collaboration par-delà les divergences politiques qui sont bien réelles et bien présentes, mais qui ne nous ont pas empêchés de travailler. Merci pour ces mots. Alors, en conclusion, la lutte contre la délinquance financière est un moteur à explosion, mais dont l'explosion n'est pas continue. C'est-à-dire qu'après des scandales, après des affaires, on voit arriver la création de certains organismes. Et on peut s'en féliciter malgré tout, puisque le bilan global de la structuration de cette lutte, notamment concernant, je dirais, l'organisation du haut du spectre, hein, avec le PNF d'un côté, l'OCLCIF de l'autre, ont créé vraiment des outils qui justifient leur pertinence. On est un peu frustré parce que les délais de jugement sont un peu importants. Mais au-delà de cela, ce qu'on voit quand même, c'est que ce dispositif, c'est un peu la lutte entre le bouclier et l'épée. L'épée, c'est la numérisation des technologies, c'est les mouvements transnationaux, c'est la sophistication, c'est les paradis fiscaux, etc. La réponse nationale est difficile, la réponse internationale s'organise, on n'en a pas beaucoup parlé, on pourrait en parler beaucoup plus. Il y a quand même un petit paradoxe, c'est que, et Hugo l'a bien dit, c'est que les dispositifs existent en France, il faut un peu les rationaliser, mais la vraie question, c'est la question quand même de la mise à niveau des structures qui ont été créées. Et mon point de départ n'est jamais, en fait, d'insister sur la question des moyens, parce que je pense qu'il y a tellement à faire pour améliorer l'organisation, et je le parle en tant qu'ancien fonctionnaire. Nous avons des absurdités à gérer tout le temps, mais là, c'est assez... Tu peux me mettre dans l'eau. Voilà, nous sommes tous les deux à l'avoir vécu. Mais là, il y a quand même une question qui est un peu paradoxale. Quand vous regardez le nombre d'actes de délinquance, vous regardez le taux d'élucidation, vous regardez le faible nombre de réseaux traités, il faut des moyens à la fois techniques et des moyens humains. Moyens techniques, on n'a pas parlé de TESE, qui permet effectivement de regrouper les différentes petites actes de délinquance dans une vision globale d'un délinquant lui-même. Mais les moyens humains sont absolument nécessaires. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, plus on en met, plus ça rapporte. Donc le gouvernement, a pris des positions relativement importantes et ambitieuses en matière de renforcement des moyens de la justice et de la police. C'est dit dans les PLF, c'est dit dans la programmation pluriannuelle. Mais il est clair que la demande sociale, la demande publique, va plutôt à lutter contre effectivement les agressions sexuelles ou les atteintes aux personnes qu'à ce type d'activité. Terrorisme aussi, évidemment. Et donc là, je pense qu'il faut qu'on revisite un petit peu notre perception en se disant que si rien ne se passe, c'est tellement complexe que s'il n'y a pas une mobilisation politique, une espèce d'entropie de ce type de police. Il faut s'en occuper régulièrement tout le temps et il faut donner les moyens. Et ce n'est pas un problème puisque ça rapporte. Merci, Madame la Présidente, pour votre écoute. On a été extrêmement long. Nous le regrettons tous les deux. Merci à vous. Je crois qu'on ne regrette pas trop, nous, que vous ayez été assez long. Parce que c'est un domaine quand même, le schéma, ou d'ailleurs le concluait, c'est quand même assez complexe. Et quand on est plus néophyte à la matière, je pense qu'il est que vous preniez le temps pour qu'on prenne bien la mesure des enjeux. En tout cas, moi, ça a suscité chez moi de nombreuses questions. Et puis, je pense que aussi, là... Dans nos collègues, il y a aussi un certain nombre d'interrogations. Peut-être on est un peu contraint par le temps. Enfin, je ne sais pas quelles sont les contraintes des uns et des autres. En tout cas, moi, dans une demi-heure, il faut absolument que je vous quitte. Donc peut-être que pour vous, c'est un peu plus précoce. Enfin, je ne sais pas vos dispositions. Donc je propose peut-être qu'on vous confie nos différentes questions. Et puis vous, du coup, peut-être qu'elles se recoupent. Donc vous allez pouvoir faire une réponse... peut-être collective, à toutes nos demandes. Je vais peut-être commencer, je ne sais pas si c'est très élégant, mais vous ne m'en voudrez pas. Et puis je vais vous passer ensuite la parole, il y a plusieurs demandes de prise de parole. Dans les questions, moi qui me revenais, il y avait quelles observations ou critiques pourriez-vous faire par rapport à la création de la politique fiscale de Bercy ? Deuxième point qui m'interpellait, c'était
Vous êtes passé assez rapidement sur ce chapitre-là, donc peut-être pouvoir nous en dire un peu plus sur la saisie et la confiscation. Au fond, quel est réellement le rôle de la grâce qui a été créée en 2016? Voilà. Le troisième point, et vous en avez là plus longuement parlé, mais il me paraîtrait peut-être intéressant de revisiter ou en tout cas de refaire une synthèse sur vos propositions, c'est tout ce qui touche à la fidélisation, aux compétences, à la politique RH, ressources humaines. Quels sont, et pourquoi peut-être nous redire, quels sont les freins à l'évolution de cette politique de ressources humaines? Est-ce que c'est la difficulté de trouver des compétences en la matière? Comme vous le disiez, il faut une montée de compétences sur plusieurs années. Est-ce que la valorisation de ces compétences, justement, est suffisante? Enfin, vous nous apporterez certainement des éléments de réponse. La troisième question, c'est, vous avez parlé du paiement scindé. Quel frein à ce paiement scindé chez nous? Et puis, alors, la question n'est peut-être pas judicieuse, mais en tout cas, j'aurais besoin que vous me l'éclairiez. Est-ce qu'il y a un impact sur les marchés par rapport à, voilà, à ces paiements scindés? Et mon dernier point, c'est quid, mais vous y avez répondu. C'était la question de justement, peut-être qu'il faisait écho aux ressources humaines, quid de la récupération? C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Est-ce qu'au bout du compte, mais vous y avez répondu, est vraiment, voilà, un recouvrement et un intérêt sur tout ce travail? Voilà, alors je vais passer la parole à Madame Louwagie. Oui, merci Madame la Présidente, merci Messieurs les rapporteurs pour cet excellent travail, très, très intéressant en demeurant, où vous faites état d'un nombre de propositions importantes, parce que 25, c'est lourd. Mais vous avez eu raison de rappeler la multiplicité des cas de fraude. Quatre points que je voudrais aborder. Un premier point sur l'évolution du stock d'affaires au niveau du parquet national financier, avec une évolution importante, à multiplier par 5 en 5 ans. Est-ce que vous avez des éléments quant à la durée des procédures? Est-ce qu'il y a eu des modifications sur la durée des procédures, ce qui pourrait être des éléments qui donnent aussi des indications sur la nature des procédures? Un deuxième point, vous ne nous avez pas du tout parlé de partenariat avec des acteurs des pays voisins, des pays européens ou autres. Nous savons que les évolutions des techniques avancent chez les délinquants qui utilisent de plus en plus des moyens très lourds. Donc qu'en est-il de ces échanges de données ou échanges de procédures également avec les pays voisins? Une troisième question d'une autre nature. Nous avons vu des évolutions au regard des infractions sur les chèques, également sur les cartes bleues, puisque nous savons qu'il y a de plus en plus de modes de paiement par carte bleue qui sont utilisés de moins en moins par chèque. Est-ce que finalement cette modification a également un impact sur la délinquance? C'est-à-dire, est-ce que finalement, globalement, nous avons moins de délinquance au regard d'une utilisation plus importante de cartes bleues que de chèques maintenant? Et un quatrième point où vous avez évoqué que des chefs d'entreprise pouvaient être interpellés et finalement être un petit peu des moments crédules avec de la naïveté ou des situations très difficiles, très rapides, et dire qu'un grand nombre de créateurs d'entreprises aujourd'hui reçoivent à l'issue d'avoir créé leur entreprise, après avoir procédé à l'immatriculation, des factures qui comporte souvent des mentions faisant référence à des structures officielles, qui est une facture avec un montant qui figure avec droit d'enregistrement, qui demande donc un acquittement aux personnes avec d'assurance bancaire et qui sont complètement, je dirais, on est sur vraiment de l'escroquerie. Mais c'est vrai que quand la personne vient de faire son immatriculation, vient de payer, je dirais, son annonce au journal d'annonce légale, a l'impression que cette facture donc correspond tout à fait à une poursuite des formalités qui sont nécessaires pour son immatriculation. Et je me suis toujours étonnée que on ne développe pas de la prévention plus à l'égard, je dirais, des créateurs d'entreprises par rapport
à cette escroquerie. Donc, est-ce que vous avez, je dirais, éventuellement pensé à développer une forme de prévention, d'information à destination d'un certain nombre de personnes? Oui, Monsieur Blanchet. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, moi j'ai pas perdu mon temps, j'ai pas vu le temps passer. Je dois vous dire que c'était passionnant et bravo pour votre travail à tous et y compris avec les administrateurs. J'ai plusieurs questions qui vont être un peu dans le désordre, mais j'ai pris au fur et à mesure l'explication de votre rapport. J'ai bien compris qu'il fallait pas vous demander quel est le chiffre global de la délinquance financière. Pourtant, vous avez dit, posez-nous la question, mais vous ne serez pas capable d'y répondre. Et je pense que c'est important de le rappeler à l'heure actuelle. Pour autant, vous avez expliqué dans votre introduction qu'il y avait la lutte contre le blanchiment. Je veux savoir comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus. Notamment le lien avec le financement du terrorisme, vous l'avez rappelé encore tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu avoir cet axe-là? Parce que c'est peut-être via ce biais-là qu'on aura une mobilisation plus importante et une sensibilisation plus importante des interministériels et peut-être de la représentation nationale en soutien à vos propositions. Vous avez évoqué aussi dans votre introduction et à un moment le blanchiment avec la contrefaçon. Est-ce que vous avez eu un axe là-dessus? Est-ce que vous avez pu préciser? Je vous parle de ça parce que je serai le rapporteur sur la contrefaçon lors de cette CEC, donc savoir s'il y a moyen aussi d'avancer pour éviter de refaire des redites tout simplement en audition, donc je serai preneur de cela. Non mais il faut être efficace et vous savez de quoi je parle, donc autant voir s'il y a des choses à mettre en parallèle. En troisième lieu, vous avez évoqué lorsque il y a des clients de banque se font avoir, il n'y a pas d'autre mot, que les plaintes ne sont pas régulières chez les clients pour autant. Est-ce que les banques ont pris systématiquement, elles, portent plainte? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a une obligation? Parce qu'effectivement, si on laisse dans un courant une plainte au final, est-ce qu'il y a une obligation des banques à porter plainte? Est-ce qu'elles le font? Est-ce qu'il y a un taux là-dessus? Ensuite, une autre question sur la saisie confiscatoire. Est-ce que vous êtes rapproché du ministère de l'Intérieur? Parce que pour avoir fait quelques immersions avec la police nationale, il y a une réelle volonté, notamment à la police nationale, de pouvoir récupérer rapidement ces véhicules pour les rendre efficaces au niveau de la BAC, par exemple. Parce que, par exemple, j'ai passé 24 heures à la police de Caen et je me suis aperçu qu'il y avait encore des véhicules à 330 000 km. Et ils avaient en face d'eux deux véhicules qu'ils attendaient juste à avoir l'autorisation de récupérer. Donc il y a peut-être encore, vous le précisez, des moyens d'accélérer les choses. Et est-ce qu'il y a des ramifications avec le ministère de l'Intérieur en ce sens? Avant-dernier point, vous avez sur votre slide numéro 12 parlé de TRACFIN avec un taux intéressant au niveau des établissements bancaires. Mais quelle valeur financière est-ce que ça représente aujourd'hui sur le taux d'élucidation? Vous avez dit 75% par rapport à la banque, mais quelle valeur ça représente dans la délinquance, que vous êtes capable de la chiffrer? Je suis surpris aussi de voir que dans l'imaginaire collectif, et ça a été encore dernièrement lors de la deuxième lecture de la loi Pacte, on a parlé de blanchiment et par rapport aux jeux d'argent. Et là, aucun moment, vous parlez des jeux d'argent. Est-ce que ça veut dire que les jeux d'argent sont exemplaires et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de délinquance financière avec les jeux d'argent et plus de blanchiment en l'occurrence, parce que TRACFIN a été efficace? Je voudrais une précision là-dessus. Et dernière précision, voilà, à Régis. Et dernière précision, dans le slide 18, y a un chiffre sur lequel vous n'êtes pas venu et qui m'interpelle, c'est les escroqueries et abus de confiance. C'est le plus important. Et quand on regarde en valeur, c'est 150 000 cas. Et si on ramène à la fin, c'est presque 44% des procédures, quoi, des délinquances. Donc, est-ce que vous avez en face de cela les sanctions? Les moyens des sanctions, parce qu'effectivement, ces escroqueries que l'on constate tous les jours, notamment dans nos territoires ruraux, qui sont dommageables et qui vraiment sont dévastateurs dans les territoires ruraux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sanctions? Est-ce que vous avez une estimation des sanctions données, les proportions données? Et
le taux de récidive là-dedans. Sur le tableau global, est-ce que vous avez pu avoir une image, une vision du taux de récidive pour voir si effectivement la sanction, et vous l'avez rappelé, peut-être qu'elle n'est pas efficace et suffisante, mais peut-être la sanction doit être vue en cas de récidive et si vous aviez cette analyse-là. Je vous remercie vraiment, c'était vraiment passionnant. Monsieur Génico. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais aussi féliciter les deux co-rapporteurs pour la qualité de leur travail et de ce rapport extrêmement intéressant. J'aimerais revenir sur un point, les lanceurs d'alerte, hein, puisque dans votre proposition numéro 8, vous exprimez la volonté de rétablir le principe d'un secours financier au profit des lanceurs d'alerte en difficulté, mais aussi complété par la possibilité d'un accès facilité à l'emploi public, et c'est une proposition à laquelle je souscris complètement. J'aimerais après ce qu'a dit Jacques Maire d'ailleurs tout à l'heure sur ce point, dire qu'il y a des difficultés aujourd'hui, et un petit peu un exécutif, on va dire, qui traîne un peu les pieds, et l'administration fiscale aussi, qui est relativement opaque sur ces sujets-là. Donc vous avez évoqué tout à l'heure la question de la directive européenne qui a été votée sur le statut juridique des lanceurs d'alerte. Il faut savoir quand même que nous avons eu une garde des Sceaux qui a tout fait pour vider de sa substance cette directive européenne, notamment en obligeant les lanceurs d'alerte à informer en interne, dans l'entreprise, leur organisation, avant de se voir accorder toute protection. Et la question que je voulais vous poser, c'est sur les chiffres que vous ont donné ou pas l'administration fiscale concernant combien coûtent et combien rapportent exactement les lanceurs d'alerte du fisc. Parce que là-dessus, on a des chiffres qui circulent en 2017 et en 2018. On sait à peu près que Bercy aurait rémunéré ses contrôles, ses aviseurs, et pour des contrôles fiscaux, à peu près de 27 aviseurs pour à peu près 80 à 100 millions d'euros, et que Bercy aurait recouvré à ce moment-là un total d'indemnités versées de 2,7 millions d'euros en 2017 et de 100 et un chiffre qui approche près de 100 millions d'euros pour un total d'indemnités avoisant 1 million d'euros pour 2018. Ce qui veut dire, je traduis ce que je viens de dire, en fait les recettes augmentent sans cesse pour l'État, mais diminuent pour ceux qui permettent de les recouvrer, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte qui prennent tous les risques. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer ces chiffres, ou est-ce que justement ça reste une zone complètement aujourd'hui de brouillard en termes d'informations en ce qui vous concerne? Bien, alors on attend vos réponses synthétiques peut-être, mais en tout cas, voilà, peut-être oui. Coordonnées. Quelques-unes rapidement. D'abord sur la création de la police fiscale, c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement du point de vue du Conseil d'État et du point de vue de l'organisation des pouvoirs publics, on peut se dire pourquoi complexifier, pourquoi pas renforcer les structures qui existent. Mais quand on écoute à la fois les responsables des juridictions et quand on regarde un peu la situation, il y a deux aspects différents. La première, c'est que chacun même un peu ses spécialités et ses savoir-faire qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, quelque part, ça complémentarité et ça crée aussi la possibilité pour les parquets de choisir leur service instructeur avec plus de latitude, marge de manœuvre et de choix. Et le deuxième aspect, c'est que c'est une administration qui est riche et que donc, ça, c'est un point important puisque, comme vous l'a dit Hugo, les gens vont être formés et vont être équipés d'un lot et d'une bonne capacité dès le départ. Et donc, on a une capacité opérationnelle sur laquelle on peut tout à fait s'appuyer. Donc, il y a une confiance, en fait, du système dans le fait que ce sera utile. Après, est-ce que c'est rationnel? C'est un peu différent. Nous n'avons pris une position brutale contre ce dispositif. On est très attentif à ce que ça ne dévitalise pas la question de la présence des officiers de fiscaux judiciaires au sein de la BRNDF, puisque effectivement là ce serait vaste communicant et ce serait pas raisonnable. Très très vite, compétence RH, tout ce qui est vraiment organisation police-justice, je laisse à Hugo. Sur le paiement scindé, simplement dire, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est toute la question de. C'est un peu comme le paiement à la source, hein. C'est un débat de principe sur
quelle est la responsabilité du secteur privé dans la gestion des flux financiers pour le compte de l'État ? Donc il n'y a pas, je dirais, de principes objectifs qui vont contre ce dispositif, si ce n'est la bonne volonté des acteurs, l'engagement des acteurs. Ce serait évidemment très efficace. Ça a peut-être un point sur lequel nous n'avons pas regardé très profondément, c'est la question de l'impact sur la trésorerie des entreprises, effectivement, qui serait à regarder. Je dirais deux mots sur les partenariats internationaux pour dire que la situation est contrastée. Alors, il y a effectivement le club des TRACFIN qui, globalement, fonctionnent relativement bien ensemble parce qu'ils ont une espèce de collectif au sein du GAFI où les mêmes se revoient. Mais ce n'est pas homogène. Et du côté des services de police, là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, il y a des attentes et des relations opérationnelles avec certains pays, pas avec d'autres. On n'a pas cité, je crois, dans le détail, la différence de traitement qui existait avec tel ou tel pays. On ne va pas faire du name and shame. Voilà. Voilà. Point de vue judiciaire, là c'est assez compliqué, puisqu'il faut passer par des procédures judiciaires internationales dont je n'ai plus le nom, mais qui sont longues. On vous les trouvera, elles sont citées. Tout petit point, chèque carte bleue, je dirais simplement que le taux de fraude est plus important, évidemment, chez les chèques que pour les cartes bleues, beaucoup plus important que pour les cartes bleues. Ce sont des éléments de coûts qui sont provisionnés par les banques. Elles n'ont pas envie de s'embêter dans des dizaines de procédures qui nécessiteraient d'avoir des frais de structure qui seraient considérables. Un petit mot sur les chefs d'entreprise. Ce que vous évoquez sur la question des créateurs d'entreprises, de la publication officielle, on le trouve aussi à l'occasion des secteurs d'incendie, du RGPD, de tout quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a évidemment l'occasion de mettre un papier timbré et de demander de l'argent. Il y a des vagues qui se renouvellent. Ce n'est pas toujours les mêmes thèmes. Et les entreprises, en général, évidemment, quand elles sont peu informées, une sur X craque et ça devient rentable. Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, ce sera la dernière que je traiterai. C'est présent partout. C'est-à-dire que la lutte contre le blanchiment est un élément du contexte toujours présent quand on parle de travail dissimulé, quand on parle de contrefaçon. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que bien souvent, en fait, les acteurs, ils sont pas monométiers. Quand je blanchis, je sais une structure de blanchiment. Et dans ces cas-là, je suis en rapport avec un acteur qui reçoit de l'argent, un autre qui a besoin de liquide, comme une entreprise de BTP ou autre. Et ces machines qui sont souvent aussi organisées sur une base ethnique, pourquoi pas dire parfois chinoise, parfois turque, etc., sont des machines dont finalement la destination et l'origine des fonds est à peu près indifférente. Et donc les mêmes acteurs peuvent faire, selon le cas, du trafic d'armes, de drogue, de la contrefaçon, du travail dissimulé, du blanchiment, du terrorisme. Voilà, c'est open bar. C'est assez compliqué. Voilà, me concernant. Merci, Jacques. Sur la police fiscale, juste pour dire quand même que on a remarqué, et c'est pour ça une proposition plus générale, pas juste sur la police fiscale, mais que quand on prenait des gens dont d'abord c'est leur cœur de métier de faire du contrôle fiscal et qu'ensuite on leur donnait la qualification de policier, enfin les attributs de police judiciaire, le code de procédure pénale, on arrivait plus facilement à recruter des gens, et je vais mettre le sujet RH en même temps, plutôt que de faire l'inverse, trouver des policiers à former et leur expliquer ce que c'est le contrôle fiscal, que c'était plus opérant, et que quand même il y a un sujet à un moment donné, c'est qu'il y aura une difficulté pour la police fiscale, parce que quand vous êtes à l'OCLCIF pour mener les enquêtes, vous avez à votre disposition tout le reste de l'écosystème policier. Les écoutes téléphoniques, les postes de balise, etc., etc. Chose qui va être un peu plus complexe en termes de support opérationnel du côté de Bercy. Parce que certes, ils ont des sous, certes, c'est un ministère riche, entre guillemets, mais c'est pas aussi simple que ça d'un point de vue opérationnel. Donc on va regarder, laisser vivre ça. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Je suis plus à intégrer les choses au sein du ministère de l'Intérieur. Mais voilà les éléments qui nous ont été remontés. Sur les saisies confiscations, il y a eu plusieurs questions finalement sur le recouvrement.
clairement, ça fonctionne, la grâce. Je veux dire, il y a des choses qui sont saisies, confisquées, l'argent rentre, on arrive à vendre des choses, c'est valorisé, c'est rentable. Mais ce n'est pas optimisé. C'est notamment pas optimisé parce qu'on n'a pas de traçabilité. On n'a pas de traçabilité du début d'une enquête jusqu'à la saisie, confiscation, de la rentabilité d'une enquête, on va dire, policière. Et c'est là où il y a une difficulté. Où, en théorie, il est censé avoir des logiciels qui vont émerger au sein du ministère de la Justice, notamment, qui vont être chargés de faire le suivi d'une enquête, du point de départ de la police jusqu'à l'arrivée, que ce soit au niveau des sanctions, des peines, et que ce soit au niveau des confiscations. Donc c'est clair qu'il y a un problème global de traçabilité. Et c'est le même sujet sur la question, est-ce qu'il y a les poursuites pénales ? Alors, a priori, oui, parce qu'il y a des chiffres de poursuites pénales pour un certain type d'infraction. Est-ce que c'est en relation avec ce qu'il y a du côté ministère intérieur ? Comment faire la traçabilité du début à la fin ? On ne sait aujourd'hui pas le faire. On peut juste vous dire qu'il y a, donc sur la réponse pénale, c'est dans page 164 du rapport, vous avez l'orientation des parquets. Que pour le coup, sur la délinquance financière, il y a une hausse de 66% des orientations par le parquet. Devant les infractions fiscales et douanières, 36%, et la délinquance astucieuse. Donc, on va dire que les parquets se saisissent de ces questions-là de plus en plus. Après, jusqu'où ça va et de quelle nature bon, il y a un sujet quand même, on l'a pointé dans le rapport, c'est que plus vous montez dans le haut du spectre de délinquance financière et de la délinquance en général, plus vous êtes sur du transactionnel et plus sur du pénal pur et dur, quoi. Donc, il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas une perception d'un système de justice à deux vitesses. Surtout que, je vois, c'est soufflé par notre administrateur, qu'en haut du spectre, ils ont des bons avocats et beaucoup d'avocats. Donc, forcément, ceci explique sans doute cela. Voilà sur les histoires de traçabilité de poursuite pénale. Sur le stock du PNF, la durée des procédures. Alors, ça dépend, il y a des affaires récentes du PNF qui ont pris peu de temps, on va dire relativement peu de temps. Mais globalement, en fait, les enquêtes financières moyennes, ça dure entre 8 et 10 ans. Et pour le PNF, ça va un peu plus vite. Mais pourquoi ça va un peu plus vite ? Et encore une fois, hein, c'est le PNF est assez récent, donc on n'a pas forcément la profondeur pour regarder, en réalité. Mais ils ont fait le choix de faire tout en enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est le parquet qui a toutes les prérogatives, la défense qui n'a pas accès au dossier, à la différence de l'information judiciaire. Donc le temps d'enquête, a priori, devrait être raccourci et avec des moyens de coercition qui peuvent être importants. Néanmoins, le temps de jugement, le temps de l'affaire dans son globalité, on ne sait pas aujourd'hui si ça va être plus long ou plus court. Parce que quand vous êtes en information judiciaire, vous pouvez soulever pour la défense des moyens de droit pendant l'information et évacuer un certain nombre de nullités sur les pièces en cours de procédure. Ce qui fait que vous arrivez au jugement, il reste, je caricature, mais il reste plus que le jugement à juger. Alors que quand vous faites tout en enquête préliminaire et que vous présentez le jugement en tant que tel, tous les moyens de nullité vont être soulevés au même moment, c'est-à-dire au début du procès. Et donc là, on risque d'avoir un allongement de la durée de ce côté-là. Qu'est-ce qui est le plus efficace ? Aujourd'hui, on est bien incapable de vous le dire parce que c'est trop frais, trop jeune. Néanmoins, c'est l'orientation qu'a pris le parquet national financier sur les affaires en cours. Et clairement, bon, on vous l'a dit, mais il y a d'affaires qui est quand même extrêmement important. Puis qu'il y a assez peu, plus beaucoup d'enquêtes d'initiative. Il faudrait que le PNF arrive à évacuer un certain nombre d'affaires. Donc là, il y a un point de vigilance là-dessus. Ça on l'a fait. Est-ce que les banques portent plainte ? Non. Sur la contrefaçon, on l'a vu, mais de très loin, de manière indirecte. Mais ça peut être un des moyens de blanchir, quoi. La contrefaçon, et c'est des circuits qui sont communs. Sur les saisies et attributions au sein du ministère de l'Intérieur, en fait, ça ne joue pas à grand-chose qu'on soit plus efficace sur ces saisies et attributions. Quand on voit tout le monde est de bonne volonté pour le faire. Tout le monde veut le faire, clairement, tout le monde veut que ça aille vite, y compris côté justice. Hein, pas... Et il y a un mécanisme qui est la vente avant jugement, qui permettrait de simplifier ça. Et on peut le faire aujourd'hui en l'état actuel de notre droit. Il faut juste qu'en termes de doctrine, les services s'en emparent. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous prenez une voiture, je prends l'exemple de la voiture, vous la saisissez dans le cadre d'une enquête, vous pouvez dire
aux présupposés délinquants, même s'il est, du coup, la présomption d'innocence, hein, fait que c'est pour ça, d'abord, on saisit et on ne confisque pas d'abord, parce qu'on ne sait pas s'il est coupable ou pas, de lui dire, écoute, voilà, le procès, l'enquête et le procès risquent de durer un petit peu. La voiture, dans tous les cas, quand bien même vous seriez non coupable, vous la récupérerez dans un état qui n'est pas satisfaisant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de la vendre, donc soit de la vendre à l'administration pour l'attribuer donc immédiatement, et donc de virtuellement conserver l'argent, la valeur de la voiture à l'instant T, on vous la saisit, et si vous êtes non coupable, vous récupérez la valeur de ce moment-là du bien. Donc c'est intéressant pour vous, et c'est intéressant pour l'administration, parce qu'on peut jouir immédiatement du véhicule et du bien. Donc c'est ça qu'il faut, à notre sens, développer, qui pourrait être beaucoup plus efficace. Et après, il y a quand même une petite lourdeur au sein du ministère de l'Intérieur, on pourrait améliorer ça, parce que ça doit remonter au niveau central. Après, il y a des questions concrètes. À un moment donné, il y a des véhicules, ok, on a envie de les avoir, mais d'un point de vue marché public, c'est pas forcément intéressant. Je peux que soutenir aussi mon ancien ministère dans le fait de dire non, on ne prend pas ce véhicule-là parce que à l'entretien, ça va nous coûter beaucoup trop cher, quoi. Parce que ce n'est pas dans le parc de véhicules d'habitude, ce n'est pas dans nos fournisseurs de pièces détachées, etc. etc. Donc il faut aussi faire la part des choses entre les deux, mais il y a quand même eu des nettes améliorations sur les saisies et attributions au sein du ministère. Et voilà, sur la fidélisation des agents, il faut développer les outils qu'on connaît à l'heure actuelle, quoi. Faire des recrutements peut-être ciblés, des concours ciblés, faire en sorte que ceux qui sont là pendant 7 ans, 8 ans dans le même service, ils puissent ne pas se faire passer devant à l'avancement par ceux qui ont bougé, quoi, la mobilité. On peut envisager, et ça existe au sein du ministère de l'Intérieur, des primes de technicité. C'est clair qu'aux yeux du grand public, la lutte contre la délinquance financière, ce qu'on fait là, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est les journalistes de Cash Investigation qui étaient étonnés eux-mêmes que leur reportage qu'ils avaient fait sur l'évasion fiscale ait eu autant d'audience. Ils ne s'attendaient pas à ça. Il y a une demande du public aussi sur ces sujets-là, quoi. Alors qu'au sein du ministère de l'Intérieur, non, c'est pas ça qui est valorisé, quoi. C'est faire plutôt des stupes. Donc le blanchiment, c'est plus valorisé parce que vous faites de l'infiltration, vous faites de la surveillance, vous êtes sur le terrain, quoi. Alors que là, vous êtes dans les chiffres derrière un ordinateur, quoi. Donc bon, c'est pas exactement la même idée du métier de policier. Donc clairement, il y a un besoin de valorisation de cette filière-là, y compris chez les magistrats. Hein, c'est le sujet. Dans une moindre mesure, mais vous aussi sur les magistrats, pour faire des parcours de spécialisation particuliers. Et pour terminer sur les lanceurs d'alerte, écoutez, on ne sait pas. En fait, on a posé la question à la plupart des ministères de où vous proviennent les affaires. Je vais conclure là-dessus. Il l'a vu. De où vous proviennent les affaires, combien de lanceurs d'alerte vous ont donné des affaires, etc. Et à chaque fois, c'est joker, quoi. Ils ne savent pas vraiment, c'est compliqué, puis des fois il n'y a pas de suite, ça dépend, ça peut passer par le parquet, enfin voilà. Là-dessus, peut-être qu'il faudra une mission d'évaluation particulière, une mission d'information, rien que sur les lanceurs d'alerte pour creuser le sujet. Bien, je m'associe à l'ensemble des remerciements qui ont été déjà formulés. Et bien sûr à toute l'équipe qui a contribué, à la fois les rapporteurs, mais aussi tous ceux qui étaient derrière, voilà, pour permettre, et vos collaborateurs, c'est vrai, merci Hugo, qui ont certainement aussi bien participé à l'élaboration de ce rapport, je crois que c'est, vous avez senti que c'était sincère, qu'il y a eu un réel intérêt sur ce travail, que vous avez fait un diagnostic à la fois précis des moyens en œuvre pour lutter contre cette délinquance et puis aussi identifier des pistes d'amélioration intéressantes et maintenant que tout cela porte du fruit. Voilà, c'est ce de nous qui avons été ici et peut-être les membres du CEC ont aussi apporté. Et puis, dans le travail, bien sûr, dans notre travail législatif, voir faire prendre corps à tout ce travail. Voilà, donc, sauf objection des membres ici présents, je vous propose d'autoriser la publication de ce rapport. Je pense que c'est unanime. Voilà, et on espère qu'il aura beaucoup d'écho et que l'un comme l'autre, on vous entendra. Pour promouvoir tout ce travail et puis nous pousser vers ces améliorations que vous avez préconisées. Voilà. Merci. Donc oui, je conclue, il en est ainsi décidé. Donc là, la formule.
le consacrer sur la publication du rapport. Je remercie à tous ceux qui ont été présents, voilà, et par les questions aussi pertinentes que vous avez posées, de nous permettre d'aller plus loin dans la réflexion. Et puis à tous une très bonne journée.